Mission OEA, qui c'est l'organisation des États américains qui te visité pays d'Haïti dans le jour qui te passé, mette rapport li dehors et dans rapport ça, yo fait un pile recommandation à autorité en place, mais tout avec classe politique là. Et puis le point, conseil électoral provisoire, il mette dehors un nouveau calendrier électoral dans ce qui concerne l'organisation prochaine élection. Yo, et dans le calendrier ça, il tout mette date référendum dans ta doué organisé dans le pays d'Haïti. Et puis, pour nous, la réaction n'a pas suspendu tomber dans la classe politique. Après, OEA fin fait ensemble de recommandations à l'autorité en place, mais tout avec la classe politique. Et puis, pour nous, le gouvernement en place, tant mais une série de discussions ou du moins une série de consultations et bon côté, une série d'acteurs dans la classe politique. Dans l'idée, pour voir dans quelle façon on était capable de proposer de monde dans le cadre de formation éventuelle de l'autre gouvernement. Parce que nous connaissons des tentatives qui ont fait là pour changer et Claude Joseph, qui est actuel Premier ministre, pour remplacer par un monde qui est sorti dans la classe politique. Là. Donc, il y a une discussion qui a mené dans ce sens-là et il y a divers noms qui ont déjà cité comme monde qui est venu remplacer Claude Joseph. Donc, c'est pour ça que nous allons développer pour vous. Restez là, pas démancher, nous allons tourner dans un petit moment. Gros salutations à nous toutes, mesdames. Et messieurs, c'est un plaisir pour nous entrer la carreau, pour nous porter édition information ça pour vous. Déjà, Nabdou, merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer vous et Nabdou, bienvenue sur la peine connectée. On connaît nous toujours fait nous le devoir tout dans chaque édition information nous porter pour nous porter un proverbe pour vous, ou du moins une citation. Matin, citation nous porter pour vous, il vient de Martin Luther. Nous dit bien Martin Luther, nous va dire Martin Luther King parce que nous connaissons des Martin Luther King. Qui lui-même c'est un Afro-Américain qui a bataillé contre la ségrégation, qui a lutté aux États-Unis pour droit et noir respecter. Nous connaissons un moment ça, droit noir aux États-Unis et bafoué. Donc Martin Luther King, c'était monde qui a goumé contre la ségrégation raciale aux États-Unis, qui est différent de Martin Luther, qui lui-même c'est un pionnier et mouvement protestantisme. Et nous connaissons te gen christianisme qui était une fond en deux et Martin Luther était un initiateur et chambardement ça qui t'a pas fait dans et christianisme côté était une jeune catholique on ben côté une jeune protestant qui gagne toute l'autre on dit secte religieux là dedans. Donc Martin Luther c'est un monde qui était goumé pour fond christianisme en miette morceau. Donc c'est de lui-même n'a tiré citation et pour aujourd'hui pour nous porter le pour attendez bien et qui ça le dit, il dit croyez en vos rêves ils se réaliseront peut-être. Mais croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Un bon cœur lui dit, de vous croire dans le rêve, vous pouvez réaliser. Mais de vous croire dans la tête, tout ce que vous voulez, vous pouvez réaliser. Donc, son certitude, depuis c'est dans la tête ou quoi, tout ce que vous avez besoin dans la vie, vous pouvez réaliser. Donc, croire dans le rêve, vous pouvez réaliser. Mais croire dans la tête, tout rêve, vous pouvez réaliser. Donc, c'est une citation que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous avons besoin de temps pour réfléchir sur lui, méditer et puis quelque part la poté, un bagaille qui est bon, la poté, un bagaille de positif pour. Donc sans perdre de temps, nous avons entré dans le développement information yo et je nous connais et dans le jour qui était passé, nous avons eu une mission OEA qui était entrée dans le pays d'Haïti et la mission salle a discuté avec différents acteurs qui concernaient la crise politique pays a fait face depuis un bon bout de temps. Nous connaissons une crise qui est sans pareil. Donc, mission elle-même était venue, elle était chita à discuter avec le pouvoir exécutif. Là. Côté principalement, elle était chita à discuter avec le président de la République, qui lui-même était dans la position, qui était dans la compréhension de la crise. Là. Et il y a tout dans la classe politique, là, mais ce n'est pas toute la classe politique là, qui était chita à discuter avec OEA, mais il y a un bon parti dans eux qui était chita surtout, et ça qui fait partie de la classe politique modérée, qui était chita à discuter avec mission OEA et ont été présenté cahier de charge, ont exprimé position, compréhension face à crise qui gagne dans pays hein. Et mission elle-même après elle fini rencontrer différents acteurs ça yo, ont quitté pays hein, et ont promettre pour remettre rapport bah conseil permanent OEA qui c'est organisation des États américains. Donc yo gagne pour remettre rapport là, mais ça dit dans rapport là étant disponible et dans rapport ça fait de recommandations à non seulement autorité mais avec classe politique en tout, parce que c'est censé acteur ça qui concerné dans ça gagner là je dis hein, et sur le plan politique. Donc recommandation yo ça concerné et pouvoir exécutif là, premièrement on demandé pour gagner un nouveau conseil électoral provisoire dans le pays hein. Donc KEP qui gagne là on a demandé pour changer catégoriquement pour remplacer par un nouveau conseil électoral provisoire qui a gagné là dans la participation différents acteurs dans la société hein. Ça va faciliter la réalisation de la prochaine élection. Aussitôt, il y a un nouveau conseil électoral provisoire qui va assurer confiance dans le temps
tout acteur donc la plus facile pour élection réalisée d'après recommandation OEA et l'autre recommandation au fait gouvernement Mandel pressé pour changer premier ministre actuellement n'a parlé de Claude Joseph donc OEA mandé pour président République là prendre décision nommer un autre premier ministre qui sorti dans un consensus avec tout acteur qui concerné dans affaires politiques pays donc pour qu'on chita parler pour une consultation qui fait pour président République là et voyer premier ministre Claude Joseph aller pour remplacer le par un autre premier ministre et bien l'autre recommandation OEA fait avec gouvernement en place dans demandé pour établir un climat sécurité dans pays pour freiner action gang yo à mener question pour garantir sécurité population mais tout garantir sécurité dans pays dans cadre organisation prochaine élection mais gon bémol OEA mettez dans cadre action autorité pour poser pour mettre un climat la paix pour garantir sécurité dans pays donc bémol là c'est que yo dit c'est vrai gouvernement il pral travail il de travail pour mettre sécurité dans pays mais faut qu'il fasse en accord avec ça qui dit dans respect droit monde donc bémol ça mettre quelque part les significatifs parce que nous connaissons depuis un certain temps la police gagne de action la mener dans série et de zones surtout zones tension yo. Donc là gagne pile fois gagne de dommages et collatéral qui fait ou du moins gagne de violation de droits humains et on dit de monde qui soit de paisibles citoyens qui pendant action bandit mais le la police débarque dans zone eux même en pile fois contre victime et donc OEA lui-même lui mettait bémol ça pour une opération qui pral mener pour garantir sécurité population donc pour population civile pour respecter droit et donc ça c'est recommandation OEA fait à autorité en place et gagne de recommandation tout yo fait avec classe politique là côté demandé pour politiciens yo impliqué dans démarche qu'a fait pour un climat la peine en pays hein, parce que estimé tension qui vient là sous toute forme là et li pour beaucoup dans affaires politiques donc yo mandé pour classe politique là travailler dans création climat favorable ça pour non seulement capable gagner la peine en pays mais pour prochaine élection capable réaliser donc là nous gagne position mission OEA qui était entré dans pays qui était chita discuter avec différents acteurs et nous avons fait des recommandations à autorité en place et on fait tout de recommandations avec classe politique là. Et puis l'autre point, il y a un conseil électoral provisoire qui mettait dehors un nouveau calendrier dans le cadre d'organisation prochaine élection. Donc, et d'après ça qui dit dans le calendrier, ça, élection présidentielle avec législative, il a dû organiser dans la date 26 septembre 2021 et que deuxième tour, il a dû organiser dans la date 21 novembre 2021. Il y a remarqué pour nous faire un nouveau calendrier, ça, conseil électoral provisoire, mettez dehors, nous connaissons. Il y a un causé référendum qui t'a parlé dans le pays d'Haïti depuis un certain temps. Et par la suite, le Conseil électoral provisoire est venu prendre décision pour stopper toute activité qui concernait le référendum à cause de COVID-19 là, nous connaissons, qui a fait ravage dans le pays d'Haïti. Donc, il était obligé de prendre décision pour annuler la date 27 juin était Kembe pour faire le référendum. Et bien, dans le nouveau calendrier, ça qui est étonnant, c'est que le référendum a toujours organisé, mais c'est dans la même date avec l'élection. Ça veut dire que l'élection va organiser le 26 septembre 2021 et on prévoit pour organiser le référendum dans la date 26 septembre 2021. Ça veut dire que les gens qui parlent dans l'élection, qui parlent de voter, ou bien pour voter pour président, ou bien pour voter pour sénateur, pour député, mais tout ou bien pour dire oui ou bien non, est-ce qu'on est d'accord avec une nouvelle constitution dans le pays. Et grand pile questionnement tout qu'a fait sous causer organiser référendum en même temps avec élection parce que nous connaissons référendum dans une série de changements li et visé faire surtout dans ça gien pour avec élu donc référendum là il prévoit pour pas gien sénateur donc si normalement dans cadre organisation référendum on a voté pour un changement de constitution donc là pas un problème par rapport avec sénateur qui pral élu parce que si a organiser élection pour député pour sénateur pendant ce temps et nouvelle constitution lui-même n'y pas prévoit Sénat, il prévoit seulement Chambre des députés. Hein. Donc, quelque part là, il y a un problème qui posé. Et nous allons connaître si toutefois, il a voté pour nouvelle constitution, hein. Si tu as élu, surtout sénateur, si tu as deux sénateurs qui élu, bon, nous allons connaître qui arrangement qui peut le faire au niveau de l'État, soit pour dédommager les gens qui élu ou du moins, nous ne mais c'est notre date ça, la même date avec l'élection, on prévoit pour organiser un référendum dans le pays d'Haïti. Et que on prévoit tout pour. Et élections municipales ou bien locales ont organisé à partir du mois de janvier 2022. Donc, il y a un calendrier, conseil électoral provisoire limité dehors. Pendant ce temps, nous connaissons des recommandations au UAF lui-même pour avoir l'autre conseil électoral provisoire dans le pays qui pour venir organiser la prochaine élection.
Donc là, son dossier qui est assez complexe. Côté, il n'y a pas aux jeunes OEA qui font recommandation. Il y a aux jeunes conseil électoral provisoire lui-même qui continue à travailler, même qui a annoncé date pour l'élection. Venez avec un nouveau conseil là, est-ce que vous êtes prêt ou même pour organiser l'élection dans la date prévue? Donc c'est le questionnement n'a fait mais qui normalement pour qu'on ait une réponse pour eux, mais qui est important pour nous-mêmes qui vivons dans le pays, qui vivons dans la société, qui est important tout pour tout acteur qui concerne la crise qui a passé le pays d'Haïti, je ne veux dire. Et bien après le conseil électoral provisoire, on a mis le calendrier, l'idée de voir ou pas suspendre, lever dans la société, c'est dans la classe politique là, ou du moins c'était dans la société civile là, donc ou joindre différents acteurs commencer à prendre position, bah, 10 euros, et partager opinion face à compréhension gagnée sous démarche conseil électoral provisoire. Hein. Donc, on a joué un collectif 4 décembre avec Jean-Robert Organ lui-même, qui croit élection pas possible dans le pays, dans le climat d'insécurité qui vient là. Maintenant, il a avancé de arguments comme quoi, président République, là, je ne voulais parler de Jovenel Moïse, il a gagné légitimité pour organiser élection dans le pays, hein, parce que d'après ça, on comprend, du moins d'après ça, on dit. Mandat président République, Jovenel Moïse, a fini depuis le 7 février 2021. Donc, il n'était pas dans une bonne position pour organiser l'élection dans le pays. Une position tout qui part différente de un bon parti dans l'acteur politique. Donc, on a gagné 10 pôles qui sont regroupement de plusieurs partis politiques qui, eux-mêmes, tout, prennent position face à la décision du Conseil électoral provisoire pour remettre le nouveau calendrier électoral dehors. Donc, pour dire pas, de même, il dit, il n'y a pas de cause d'élection, mais c'est de préférence une transition. Il y a tant de pays qui peuvent organiser élection à tous les niveaux. Donc, nous avons une opinion divergée, chaque monde qui est sous position. Et aujourd'hui, chaque groupe, non, quand il y a tiré en ficelle, il y a tiré en compte, si on ne peut pas imaginer comment il a fait payer mal, comment il a fait payer souffrir, comment il a fait jeunesse payer, quitter payer, pas de goût payer encore, pas de espoir dans le pays. Il n'y a jamais imaginé ça. Moi, je ne chaque groupe qui même défendre l'intérêt au détriment de la majorité, au détriment de la jeunesse, au détriment de la population en général. Et comme souvent, les deux politiques, ça, ou bien les qui n'ont pas pouvoir, ou pas une conscience, ils n'ont pas conscient, ils n'ont pas où les pays méritent une trêve, ils n'ont pas où les pays méritent un souffle pour que nous puissions démarrer avec d'autres orientations, d'autres objectifs qui probablement capables d'avoir assurance, qui capables de faire nous espérer dans la vie. Mais c'est pas ça qu'on a fait, tout chaque monde qui a pris une position. Politiciens traditionnels qui depuis longtemps, c'est même qui étaient toujours là. Dans tout le bagaille, ils ont fini censé vieillir dans la politique. Là. Mais ouais, c'est eux-mêmes là qui continuent à faire politique malsaine, ça, qui continuent à mettre piège dans le pays hein, pour les gens qui vivent dehors du pays, hein, pas qu'à entrer dans le pays. Hein, et pour les gens qui vivent dans le pays, hein, pas qu'ils ont envie pour être dans le pays. Hein, on dit pour le pays, ils étaient pour eux seulement. Et comme si. Bout de tête de saline, c'est pour le seulement. Là, c'est le moment pour tout le monde chita, pour discuter, pour qu'on qui ça qu'a fait, dans l'idée pour qu'on moun envie d'être dans le pays, hein, et pour qu'on moun tout envie de visiter le pays. Diaspora qui est dans le pays étranger, pas qu'à venir dans le pays, parce que toute journée, politiciens, tant que chien manger chien, il y a crasé le pays, ou même tout besoin de vivre dans le pays. Nous, même la jeunesse qui est dans le pays, nous besoin de travail, nous besoin de manger, nous besoin d'opportunités créées. Mais je n'ai pas dit si fait politique là, qui est là, j'aime qu'on fait la bazar. Il y a toujours une position, oui, on fasse pouvoir, et il faut un tel aller, il faut un tel aller, il faut un tel aller. Il y a oublié, il y a même sous pouvoir, c'est même bagarre, c'est même scénario, on parle au du pouvoir, il faut aller tout. Non? C'est seul verbe conjugué, il faut un tel aller. Mais moi, j'aime venir en plan, moi, j'aime mon plan, moi, j'aime mon initiative, moi, j'aime mon vision pour la population, pour le pays en général. Donc là, l'important, il y a une trêve qui vous prend, comme c'est blanc, il y a toujours tant qui vous parle avec, vous entendez? Donc blanc, lui-même, il parle avec vous. Li di yo, mais qui sak doit faire, li faire des recommandations. Donc là, eux même, gen nécessité, gen obligation pour chita, pour discuter, pour qu'on ait qui sak a fait dans le pays. Parce que gen de échéances là qui peut arriver, faut respecter, ok? Pas gon pays la pral sans se vin à tous les niveaux. Donc, politiciens, ou se zo, faire politique extrémiste, ça va, j'aime bien, quel résultat. Donc, c'est le moment pour tout le monde chita, pour discuter, pour qu'on ait qui ou nan bay pays, hein? Pour petit nous, petit nous, au moins deux, mais yon ka di, yon mon pays, ancêtres ou bien maman, papa, politicien, te travail, te quitté pour yo. Et donc, il fait bon de vivre, au moins, il a félicité l'engagement nous te prend. Sacrifice nous te fait. Parce que nous connaissons mettre tête ensemble, chita, discuter ensemble, c'est pas bagaille qui est facile, surtout entre haïtiens. Mais si nous faisons sacrifice ça, au moins demain, population, société en général, a bénéficié et il a félicité nous pour le travail nous te fait dans le pays qui permet de payer un route changement, un route progrès, un route développement.
Parce que on pays pas jamais qu'après un autre changement, les pas jamais qu'après un autre progrès, pas jamais qu'après un autre développement. Tout autant nous n'a instabilité chronique ça. Tout autant c'est chez manger chez n'a fait dans pays. Donc pays en pas jamais qu'après un autre progrès changement, l'a toujours été la réserve des nations. Donc là mes amis, il important pour nous faire sacrifice pour nous bailler pays dans une autre direction. Donc nous pas parler trop, nous parler en pile déjà. Donc c'est là n'a campé pour aujourd'hui. Hein. N'a vous merci parce que tu prends temps pour t'entendre nous. Non pas c'est Wilson Octavius. Votre serviteur et plateforme ou soulien, c'est TAC Info Plus qui veut dire tout haïtien connecté. On leur fait un abdou merci et un abdou à très bientôt pour une autre édition information. Ciao.